la cathédrale Saint-Jean-Baptiste ou encore la primatiale Saint-Jean de Lyon. L'archevêque de Lyon étant le primat des Gaules, le premier évêque, sa cathédrale a donc un nom particulier. La rue Saint-Jean est la plus célèbre du vieux Lyon. Occupée depuis l'époque de Charlemagne, le quartier a risqué la destruction dans les années 60. Ancien, insalubre par endroits, il fait l'objet d'une grande rénovation où l'on prend conscience de notre patrimoine. La place du Change, comme son nom l'indique, était la place des banquiers. Lyon est une ville commerçante dès le Moyen-Âge, puis deviendra industrielle. On aperçoit l'église Saint-Paul, une des plus anciennes églises de Lyon. Les quais de Saône, magnifique panorama aménagé dès le XVIIIe siècle. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme une bonne partie de la ville. On reconnaît le très célèbre hôtel de ville rebâti par Mansart au XVIIe siècle. Ici Henri IV, tout simplement parce qu'il a été préféré à son descendant Louis XVI, originellement sur la façade. Au moment de la Révolution, on se raccroche à des figures historiques moins polémiques. L'Opéra de Lyon, situé comme il se doit, place de la Comédie. Le bâtiment assez classique 19e a été totalement transformé par Jean Nouvel en 1993. La rue de la République nous mène vers la Bourse. Le palais du commerce n'est pas rien ici. Rappelons le passé des Canuts, ces ouvriers de la soie. Ils ont fait la renommée de la ville, mais aussi de célèbres révoltes. Les bâtiments richement décorés de toutes les époques témoignent d'ailleurs de cette richesse. Grande place Bellecour, place royale énorme dédiée à Louis XIV. Elle porte aujourd'hui sa statue équestre. Du haut de la Croix-Rousse, tout Lyon est à vos pieds. C'est ici qu'on trouve les fameuses traboules, ces passages entre plusieurs immeubles qui desservent les habitations par ces escaliers. Simple passage piétonnier, ces traboules sont emblématiques de Lyon. On raconte que la révolte des Canuts aurait été possible grâce à ces passages clandestins que seuls connaissaient. Se perdre dedans vous fera voyager dans l'histoire intime de Lyon.